Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo unboxing puisque j'ai reçu ces deux gros colis de la part des éditions Hachette Heroes. Donc ce sera un unboxing 100% livre de coloriage Hachette Heroes Disney Art Therapy. Mais avant de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ces deux colis, eh bien je vais vous lancer un petit générique. C'est parti. Allez, on commence tout de suite cet unboxing par le premier carton. Allez, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il n'y a que du livre de coloriage de la collection Hachette Heroes à paraître pour la rentrée. Et oui, qu'est-ce qu'il va y avoir pour la rentrée? Le premier livre que j'ai reçu, Mamao, il s'agit du titre Vaiana, la légende du bout du monde. Alors, c'est un livre de coloriage mystère réalisé par Monsieur Alexandre Karam. Ce titre sortira le 30 octobre au prix de 14,95 €. Je vous mettrai bien évidemment le lien de tous les livres en barre d'infos pour pouvoir les retrouver très facilement. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport à Vaiana? Il s'agit du premier livre d'une nouvelle collection de livres de coloriage mystère que vont vous proposer les éditions Hachette Heroes, puisqu'il se concentre uniquement sur un seul film. Donc là, en l'occurrence, vous allez retrouver eh bien, tout l'univers du dessin animé Vaiana. Les éditions Hachette Heroes vont vous sortir ce livre à l'occasion eh bien, du film Vaiana 2 qui sortira dans les salles courant du mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, vous allez avoir 50 coloriages mystères, 100% inédits. Et oui, parce que dans cette collection de livres, ce sera que du 100% inédit que vont proposer les éditions Hachette Heroes. Qu'est-ce qu'il en retourne? Alors, vous avez des coloriages qui seront imprimés uniquement sur le devant du papier. L'arrière, il sera vierge. Donc, vous pourrez utiliser n'importe quel type de matériel à l'intérieur de ce livre-là. Attention toutefois, puisqu'il va y avoir des doubles pages de coloriage. Et oui, Monsieur Alexandre Karam va vous proposer également dans ce titre Vaiana des doubles pages. Donc, faut faire attention lorsque le coloriage sera imprimé derrière une double page, eh bien, il y aura forcément un colo qui sera imprimé au dos. Mais ça, on en reparlera plus en détail lorsque je vais vous faire la présentation complète de ce titre-là. Allez, je vous montre une double page de solution pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Voilà à quoi ça va ressembler. Les dessins, ils sont juste somptueusement magnifiques. Alexandre Karam vous a fait un travail une fois de plus, mais fabuleux dans ce livre-là. Les couleurs, elles sont super lumineuses. Il y a du détail, il n'y a pas trop de détails. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est ce qui me plaît dans cette collection de livres-là, c'est que justement, il y a l'univers du film qui vous est représenté dans des coloriages 100% inédits. Donc, il me tarde de vous le faire découvrir. Je vous le répète, il sort le 30 octobre dans la collection. Donc, on a le temps de le voir venir également. Deuxième livre que j'ai reçu. Allez, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est très épais. Ah oui, je sais ce que c'est. C'est un livre de lecture. Ouais, les éditions Hachette Heroes m'ont envoyé un nouveau livre de lecture concernant la collection Le Rayon Imaginaire. Il s'agit du nouveau livre de l'autrice Alix E. Haro, qui avait réalisé déjà plein de livres pour leur collection. Il y avait les 10 000 portes de January. Il y avait Le Temps des Sorcières, Les Deux Contes Fracturés, Éclat Dormant, Éclat Miroitant, que vous pouvez retrouver également dans le commerce sur Amazon. Je vous mettrai le lien, bien évidemment, de tous les livres de cette autrice également en barre d'infos, parce que moi, c'est vraiment une autrice que j'aime énormément. Et là, c'est son nouveau livre, c'est le petit dernier qui sortira le 2 octobre dans la collection. Il s'agit de Starling House. Allez, je vais vous lire la quatrième de couverture. Le livre, il est juste magnifique. Cette couverture, elle est splendide. En plus, il s'agit d'une jaquette, puisque eh bien, vous allez retrouver en dessous de la jaquette du livre une couverture inédite pour la version française qui va rentrer dans la continuité des visuels eh bien, de la collection Le Rayon Imaginaire. C'est une collection de livres fantastiques pour adultes, hein, c'est vraiment très adulte, hein, c'est pas du tout accessible pour les enfants, puisque c'est vraiment des livres qui sont un petit peu difficiles
pour la compréhension. Voilà, c'est à partir de 15-16 ans, moi je dirais, pour les adultes également. Allez, qu'est-ce qu'il en est? Je vais vous lire cette couverture-là, puisque là, j'arrive pas forcément bien à lire avec les couleurs qui ont été utilisées. Donc, qu'est-ce qu'il en est de Starling House de Alix E. Harrow? La mâchoire en fer sculptée d'un portail, la langue rouge d'une allée, l'ombre noire de sycomores enchevêtrés, dans les rêves d'opale, la mystérieuse Starling House exerce une fascination lancinante. Alors, Opal, c'est le nom de l'héroïne du titre. Comme si c'était pour elle que la demeure rayonnait de sa lumière ambrée, frémissante dans la nuit brumeuse. C'est pourtant un domaine interdit dont on ne sait rien et qui tient chaque habitant de la petite ville d'Éden à distance. Mais Opal, sans mère ni vrai foyer, sans avenir ni mémoire, n'est plus à une transgression près. Surtout s'il suffit de quelques gouttes de son sang pour que le portail s'ouvre. Génial. Moi, j'adore ce genre d'environnement, ce genre de livre. Franchement, c'est trop bien. C'est un petit peu fantastique, mais voilà, c'est un peu surnaturel et tout. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Surtout s'il suffit d'écouter des histoires pour que les secrets inavouables se déploient, aussi ténébreux que ces cauchemars à elle. Entrez si vous l'osez. Franchement, ça a l'air d'être une dinguerie. Le livre, en plus, c'est un petit pavé. Hein. Il y a combien de pages? Il y a 450 pages environ. Donc, il me tarde vraiment de lire et de découvrir eh bien, cette nouvelle histoire de cette autrice, Alix E. Harrow. Je continue. Sous le couvert d'une réécriture gothique de La Belle et la Bête, elle tresse le récit d'une âpre histoire familiale et sociale qui est aussi un plaidoyer pour la vérité et la magie créative de la littérature. En un mot, magistral. Franchement, trop, trop bien. Donc ce livre sortira le 2 octobre. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos pour pouvoir le retrouver. En plus, la couverture, elle est juste magnifique. Moi, c'est vraiment des livres que je garde, parce que j'aime beaucoup, beaucoup cette autrice, comme je vous l'ai déjà dit. Allez, on va continuer cet unboxing avec le deuxième colis. Qu'est-ce qu'il en est? Allez, c'est parti, j'ouvre tout ça. Et il y a quoi à l'intérieur? Ouh, il y a quelque chose de très, 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 très épais, avec une couverture rigide. Vous voyez venir un petit peu ce que c'est? Ah ouais, c'est le nouveau livre 300 coloriages, volume 2 des éditions Hachette Heroes Disney. Il s'agit d'un nouveau best-of compilation, aussi bien de coloriages classiques que de coloriages mystères à l'intérieur. Il y aura en tout 300 coloriages. Je vous avais fait dernièrement la vidéo de présentation des solutions. Il y a 97 coloriages mystères. Donc du coup, si les calculs sont bons, il y a 203 coloriages classiques à l'intérieur. Et c'est trop beau. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les éditions Hachette Heroes ont renforcé la reliure du titre. Puisque dans le volume 1, c'était une tranche en papier qui avait été utilisée comme ça pouvait l'être pour les livres Bodoni habituels, mais vu l'épaisseur du livre, voilà, c'était assez fragile. Il y a eu beaucoup de retours par rapport à ça. Et là, cette fois-ci, les éditions Hachette Heroes ont entendu et vous ont écouté et vous ont proposé une reliure qui est renforcée puisque c'est de l'intissé cette fois. Donc vous pouvez y aller, hein, y a pas de souci. Vous pouvez le plier dans tous les sens, votre livre, et il n'y aura pas de problème puisque c'est du tissu qui a été utilisé. En plus, la couverture, elle est juste magnifique, faut dire ce qui est. Et à l'intérieur, eh bien, vous allez avoir des coloriages sur différentes thématiques, bien évidemment. Ce livre sortira le 2 octobre au prix de 29,95€. Voilà, il y a plein d'univers un petit peu différents comme ça. Il n'y a pas de coloriage inédit, hein, puisque c'est vraiment un best-of qui reprend aussi bien des coloriages classiques que des coloriages mystères à l'intérieur. Donc c'est aussi bien des livres A4 que des blocs, que voilà, des mystères A4 classiques. Voilà, il y a vraiment de tout, de tout, de tout, de tout à l'intérieur de cet ouvrage. Et bien évidemment, je vous ferai la vidéo complète, hein, de ce livre-là, dans lequel je vais vous montrer l'intégralité des 300 coloriages. Allez, on termine cet unboxing avec le dernier livre que j'ai reçu de la part des éditions Hachette Heroes. Voilà, le carton, il est terminé, il est vide. Il s'agit du coloriage de l'avant. Puisque les éditions Hachette Heroes vont vous proposer de découvrir
un nouveau concept de livre de coloriage qui sortira le 9 octobre au prix de 19,95€. Vous allez retrouver à l'intérieur 24 coloriages que vous allez devoir dévoiler au jour le jour. Bien évidemment, si vous suivez le concept initial du livre, puisque vous avez la possibilité de voir tous les coloriages à l'avance si vous le souhaitez. Mais voilà comment elle a été pensée de la part des éditrices. Alors, je prends cette page-là au hasard. Il s'agit de la page, vu les designs des patterns, de Monstres et compagnie. Donc là, il s'agit du jour 7, donc le 7e jour. Voilà, vous aurez la possibilité de découvrir l'illustration qui se cache de ce côté-ci. Voilà, vous ouvrez votre livre et vous aurez une double page de coloriage sur l'univers de Monstres et compagnie qui vous sera proposé. Ce sera la même chose sur toutes les pages du titre. Là, par exemple, il y aura une page Lilo et Stitch pour le jour 14. Donc, on va faire la même chose. Je vais vous la dévoiler par avance. Mais je ne vous en montrerai pas trop non plus pour ce livre, pour que vous puissiez garder le mystère. Donc, voilà, une double page Lilo et Stitch sur le thème de Noël. Franchement, c'est trop, trop bien. C'est trop canon. En plus, il y a plein d'illustrateurs qui y ont participé. Il y en a 4, dont... Aurélia Bertrand, Tracy de Souza, Véronique Hermouet et le dernier m'échappe, je crois que c'est Christophe Alexis Pérez, mais je ne suis pas sûr du dernier que je vous annonce. Bien évidemment, tous les détails seront proposés dans la vidéo complète de ce titre. Il y aura 2 vidéos que je vais vous proposer et une vidéo sans spoil, une vidéo avec spoil, comme ça au moins ben, je préserve, on va dire, le concept de ce livre-là. En tout cas, c'est bien. Puisque il faut savoir aussi que la dernière page, vous aurez le 24, un ici caché sous le rabat de la couverture, un méga poster réalisé par Tracy de Souza. Donc je vous laisserai le découvrir également directement dans la vidéo. Voilà, c'est un super livre de coloriage avec des scènes complète de composition de plein d'éléments différents de tous les personnages de chaque thématique qui vous sont proposés en double page à chaque fois. Et voilà, on a donc fini avec ce nouvel unboxing, ce méga unboxing Hachette Heroes coloriage et Hachette Heroes livre de lecture. J'espère en tout cas que tous ces produits vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce que vous pensez de tous les livres que j'ai pu recevoir et que je vous ai présentés très rapidement dans cette vidéo unboxing. Moi, il me tarde vraiment de vous tourner toutes les vidéos et de vous présenter tout ça sur la chaîne pour avoir eh bien, vos retours concernant ces nouveaux titres à paraître pour le mois d'octobre. J'espère en tout cas que vous avez passé un très très bon moment en ma compagnie. Moi, ce fut un réel plaisir d'avoir tourné cette vidéo pour vous et pour la chaîne. Et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.